Salut à tous, c'est Fabkick. Donc les gars, aujourd'hui nous sommes bien le lundi 8 octobre. Désolé, je me suis trompé. Hier j'avais dit ou avant-hier le 5 septembre. Donc bref, on s'en fout. Donc les gars, là, je suis là en session sur invitation avec mon collègue Kevin by Apple, que je remercie de tout cœur de m'avoir aidé pour la vidéo que je vais vous montrer. Donc les gars, pour ce faire, en fait c'est le don de motifs et les roues de l'Avenger à votre ami. Donc, pour ce faire, vous devrez être en session sur invitation. Vous devrez avoir un complexe chacun. Mais par contre, on vient de découvrir qu'on n'est pas obligé d'avoir le même complexe. Donc, on l'a vu par erreur. Donc, peut-être que ce matin, ça a été dit qu'il fallait le même complexe. Mais là, sans le faire exprès, bah, j'ai réussi à rentrer l'Avenger dans mon complexe, qui n'est pas le même que mon ami. Donc, franchement, c'est sans faire exprès en fait. Donc les gars, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même complexe, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même bunker. Par contre, votre ami qui va vous offrir les motifs devra se situer dans son complexe et devra rester dans son Avenger et ne devra pas y bouger. Par contre, faudra qu'il se mette au volant, hein, faudra pas qu'il se mette à l'arrière. Et vous, personnellement, faudra vous mettre à l'extérieur de votre bunker et vous allez renvoyer tout ce qu'il y a. Faudra pas dire non, moi il n'y a rien, donc je le fais directement. Non, les gars, sortez un coup et vous renvoyez ce qu'il y a devant votre bunker. Donc là, je vais me mettre en club de motard et je vais virer la voiture. Donc désolé, les gars, je suis un tout petit peu malade encore, mais bon, ça va s'arranger. Parce que je renifle. Donc les gars, ne restez pas en club de motards et ne restez pas en PDG, d'accord? En fait, dès que vous avez renvoyé le véhicule, bah, vous démissionnez. Une fois que c'est fait, bah, vous rentrez dans votre bunker. Donc nous, personnellement, celui qui reçoit, donc moi, vous devrez avoir le bunker, ça c'est logique, bien sûr. Et dans le bunker, il y aura le centre d'opération mobile. Et comme d'habitude pour les glitches, dans le centre d'opération mobile, en module 2, moi, il est tout le temps vide. Et en module 3, dépôt de véhicules personnels. Et à l'intérieur, vous mettrez bien un Fadjo. Pas une Ligier H8, ça sera un Fadjo. Une Ligier H8, ça va pas marcher. Donc vous mettrez un Fadjo. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous aurez besoin. Votre ami a besoin d'être assis dans son Avenger. Donc c'est parti. Donc là je vais monter dans mon mock et mon ami va m'envoyer une invitation à son complexe. Désolé les gars, désolé, je suis malade, désolé. Donc les gars, regardez, là je viens de recevoir l'invitation de mon ami. Donc là je vais ouvrir la petite notification pour dire d'avoir la grande notification. Une fois que vous aurez ouvert la notification comme moi dans la vidéo, vous allez avancer un tout petit peu en fait. Et une fois arrivé là, vous allez faire triangle. Au moment, écoutez bien, c'est très important en fait, hein, faut pas le faire avant ni après. Au moment où le personnage va enjamber le Fadjo, vous allez maintenir simultanément R2 et croix, mais vous n'allez pas lâcher les boutons jusqu'à temps que vous atterrissez dans le complexe de votre ami. Si ça n'a pas marché, bah, il faudra recommencer la manipulation que je vais faire maintenant. Mais moi, je peux la rater. Donc, les gars, faut bien le faire. Vous faites triangle et il faut pas le faire direct. Dès que vous faites triangle, vous attendez que votre personnage enjambe le Fadjo et à partir de là, vous maintenez croix et R2. Et le but, ça sera de se retrouver dans le complexe de votre ami. Donc, c'est parti. Donc voilà les gars, comme vous pouvez voir, j'ai apparu dans le complexe de mon collègue. Donc à partir de maintenant, je vais me retourner et je vais me diriger du côté passager, pas du côté conducteur. Mon collègue, comme vous pouvez voir, il est au côté pilotage, on va dire. Donc les gars, la manipulation à suivre, ça va être la suivante. Il va falloir faire triangle pour que le personnage ouvre la porte. Et ensuite, vous allez maintenir triangle jusqu'à temps que votre personnage passera sur le siège passager. Et au moment où votre personnage passera sur le siège passager, déjà votre collègue, au moment où vous allez faire triangle pour ouvrir la porte, vous allez maintenir triangle. Quand votre personnage va commencer à monter, votre collègue, lui, va descendre.
et vous, vous allez continuer à maintenir triangle jusqu'à temps que votre personnage va s'asseoir du côté passager. Et au moment où vous verrez votre personnage sur le siège passager, il y a un moment donné, il va passer au côté conducteur. Donc les gars, à ce moment-là, en fait, au moment où il sera au côté passager, vous allez spammer la flèche de droite pour dire qu'il atterrisse au côté conducteur. Mais il faut bien qu'il soit assis et c'est au moment où il se lève. En fait, c'est entre les deux sièges qu'il faut bien spammer flèche de droite. Et le but, c'est de passer aux commandes. Donc évidemment, quand je vais monter, vous allez voir que quand il va s'asseoir au côté passager, il va mettre un casque sur la tête. Et à partir de là, je vais spammer jusqu'à temps que je me mets au côté conducteur. Et à partir de là, dès que je serai sur le siège côté passager, je pourrai lâcher triangle. Par contre, là, je vais faire triangle et mon collègue va descendre et je vais maintenir triangle jusqu'à temps que je suis assis côté passager. Donc c'est parti. Donc là, triangle, et maintenant je maintiens. Et mon collègue, il descend. Voilà, là je suis côté passager et je spam. Flèche de droite, et j'ai lâché triangle. Donc là, je suis sur le blindage et il faut aller très vite, voilà. Là, je vous achetez tout de suite, vous spammez flèche de droite, et le but, c'est que vous descendez avec votre ami. Et là, votre ami va sortir, et bien sûr, vous serez expulsé. Donc là, a priori, ça a très bien marché. Donc les gars, quand vous arrivez sur le siège côté passager, vous n'allez pas beaucoup le voir, mais vous spammez direct flèche de droite. Vous l'avez vu, on ne voit pas très bien le personnage. Donc vous voyez à peu près le délire. Vous spammez et vous allez voir apparaître le blindage, la peinture, on s'en fout. Vous allez dans blindage et direct vous achetez un blindage, peu importe lequel. Le but, c'est que vous sortez tous les deux en même temps, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et à partir de là, c'est nickel. Donc là, maintenant, le but, c'est de sortir du complexe de mon ami. Voilà. Donc les gars, comme vous avez pu voir, mon ami est sorti du complexe et a fait sortir tous. Comme ça, moi, je suis sorti automatiquement du complexe. Donc maintenant, les gars, pour finaliser tout ça, ce qu'il faudra faire, c'est pavé tactile et vous allez demander votre Avenger. Donc demandez Avenger. Donc faut pas aller à votre complexe avec un véhicule personnel ou en buseur d'attaque. Non, il faut l'appeler par le pavé tactile. Par contre, je pourrais aller avec le véhicule de mon ami, admettons. Je vais pas aller à pied là-bas. En plus, c'est juste en face. Donc les gars, je vais prendre la MK2 de mon collègue. Et le but, c'est de me rendre à mon Avenger déjà. Et ensuite, de me rendre à mon complexe. Donc là, déjà, vous avez pu voir que ça, c'est pas mon Avenger. Ah, j'aurais dû vous montrer le mien. En fait, le mien, avec mon second personnage, j'en avais pas du tout. Donc, de toute façon, c'est très facile. Donc là, je prends l'Avenger et le but, c'est de le ramener à mon complexe. Mais bien sûr, il va falloir faire une sauvegarde. Donc là, attendez, je mets un petit poids parce que je sais pas où est mon complexe. Parce que vu que j'ai deux personnages... Ouais, il est là-bas. Ouais, il est loin. Donc les gars, c'est possible que vous le ratez la première fois, c'est possible que vous le ratez deux fois, trois fois, mais il faut assister parce que franchement, regardez, moi j'ai réussi du premier coup. Donc les gars, il y a moyen de réussir. Le but, c'est au moment où vous serez dans votre Avenger, de bien avoir la notification de votre ami, de bien ouvrir le portable comme je vous ai montré, et au moment... au moment de faire triangle, quand vous voyez le personnage qui enjambe le Fadjo, vous maintenez bien R2 et croix. Et vous lâchez rien du tout jusqu'à temps que vous apparaissez dans le complexe de votre ami. Si ce n'est pas le cas, ça voudra dire que la manipulation avec le Fadjo n'aura pas fonctionné. Donc il faudra juste recommencer cette étape. Et ensuite, il y aura l'étape que vous venez de voir dans le complexe. Et l'étape que je vais faire maintenant... c'est pour sauvegarder l'Avenger, sinon je vais récupérer l'Avenger que j'ai acheté tout à l'heure. Donc voilà. En fait, je vais pas vous le cacher, j'avais pas d'Avenger, il me fallait bien un Avenger pour faire une vidéo. Donc évidemment.
Donc là, je me rends à mon complexe et on va, je sais pas, je vais lui changer le blindage pour dire de faire une sauvegarde, puisque la couleur, franchement, elle est magnifique. Donc, et après, bah, c'est terminé. Donc les gars, n'hésitez pas à laisser vos PSN entre vous. N'hésitez pas à le faire. Franchement, vous mettez en session sur invitation. Il n'y a personne qui va vous embêter. Et voilà, profitez-en, puisque ça va pas durer. Après, voilà, c'est juste un petit conseil. Donc vous vous doutez bien que ce genre de don, on peut pas faire de live, c'est pas possible. Déjà un live, un don normal, c'est très dur. Donc celui-là, on va donner un Avenger par jour. Donc c'est pas la peine. Donc les gars, on vous montre la méthode. Après, à vous de jouer. Bon, désolé les gars, vous me connaissez. Hein. Donc mettez-vous surtout pas en sécuroserve, non plus en club de moteur, juste pour envoyer le véhicule au départ, et c'est tout. Donc là, regardez, j'ai fait flèche de droite, l'Avenger va rentrer à l'intérieur, mais si personnellement je sors à pied, quand je vais revenir, je vais récupérer mon vieux Avenger. Donc là, je vais lui charger une pièce, comme les élégués rétro custom. On lui fait une sauvegarde. En plus, c'est magnifique. Donc là, regardez, le personnage, il descend. Mais non, moi, je vais pas descendre, je vais remonter. Et à partir de là, flèche de droite. Et je lui change une pièce. Donc le blindage, je vais le mettre à fond. Voilà. Donc là, comme ça fait une sauvegarde. Maintenant, je peux descendre du véhicule. Et là, j'ai récupéré les motifs, les roues que vous voyez qui sont magnifiques de mon ami Kevin. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'avez bien comprise, puisque franchement, elle n'est pas compliquée. Franchement, elle n'est pas compliquée, je vous jure que c'est vrai. Prenez votre temps, faites étape par étape et vous verrez que vous allez tous réussir. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Hein. Et je vous dis à bientôt sur GTA 5 Online. Allez, ciao !